Voilà, chers amis de Léon Duléo, salutations spéciales à vous. Merci beaucoup pour cette continuité de confiance. Awa to ali ko sur la makambo ya ekolo Congo, makambo ya Italie ba Congolais na ba Congolaise, boza au niveau de la diaspora, boza na États-Unis, Allemagne, France, Belgique, boza pe na niveau ya Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup na kolanda biso encore. Ezali LNL Actu, to ali ko le bela plus la rencontre d'hier opposant bande kona biso ya Gabon et le léopard de la République démocratique du Congo, défaite, une défaite lourde. 3-0, Toro le Bilayango Awa. Et aussi, nous allons parler du retard y a sorti y a gouvernement Sama Lukonde depuis le 15 février, Banoma qui est par ordonnance présidentielle, jusqu'à l'heure où nous parlons. Formation y a gouvernement pose toujours problème. Toko évoqué Yango tout au long, y a Actu Nabiso, il y a après-midi à Lelo et aussi Sama Lukonde et son équipe basali logé au niveau ya Fleuve Congo Hotel ici à Kinshasa. Logement na bango et ali ko coûter vraiment makasi na trésor public to ko mek un peu ko décortiquer ce sujet tout au long. Il y a Acti Nabiso, il y a après-midi ya Lelo à la présentation c'est Fiston Yankolé. Merci à Thierry Batondoko derrière les caméras. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Sabi Moulamba au niveau de la régie. Et je ne serai pas seul. Moi, Fiston Yankolé, Nakozala Elongo, Nandeko, Joël Diawa, Onapesi, Mbote, bonjour, bonsoir. Mbote, Fiston Yankolé, Mbote, Nabande, Konyo, Sobalandia, Léon, Joléo, Naebi, que Baza vraiment est belé. Bazo, Landabiso, présentement. Na Oyouti Koloba, le sujet d'actualité, en tout cas, nos internautes, nos téléspectateurs ne seront pas déçus. Voilà, premièrement, d'abord, tout entamer directement. Si j'ai eu un léopard, il y a la République démocratique du Congo, honte et vraiment à total ailleurs au niveau. Il y a Gabon, RDC, Azalaki est un groupe abordable, groupe autobanda, au moins déjà que la RDC va sortir première de ces groupes, mais en finalité, la RDC ne sera pas présente au niveau. Il y a Cameroun en 2022, au mois de janvier. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Joël Diawa, avec le léopard de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était prévisible. C'était prévisible que les léopards de la République démocratique du Congo ne se soient pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Ça va se jouer en 2022, mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 suite à la pandémie de Covid-19. C'était prévisible. Pourquoi? Parce que il y a eu un problème d'organisation. Je le disais tantôt hier, que les autres se sont organisés parce que les clubs européens ont refusé de libérer leurs joueurs. Et par après, ils ont accepté sous condition. La condition était que vous devez aller chercher vos joueurs avec un vol spécial affrété. Et puis, les ramener en Europe pour éviter des éventuelles contaminations avec le même vol spécial. Le Gabon s'est organisé, le Gabon a rapatrié ses joueurs et le Gabon va ramener ses joueurs en Europe. Nous, malheureusement, on n'a pas été, je ne sais pas si on n'avait pas les moyens ou c'est un problème d'organisation, on n'a pas pu rapatrier nos joueurs ici à Kinshasa. Combien? On a 8 joueurs professionnels qui sont arrivés ici pour jouer ce match. Parmi les 8 joueurs professionnels, il n'y a que 4 venant de l'Europe. Il y a Chancel Mbemba, Merveille Bopé, Edo Kayembe et puis Jackson Muleka. Ils sont venus comment? Parce qu'il n'y avait pas eu Il y a eu certains clubs, quelques clubs seulement, n'ont pas imposé cela. On a parlé en termes des championnats, sur les championnats français, anglais, oui, et oui, les championnats allemands. Si vous remarquez, vous allez remarquer, c'est là où la plupart des joueurs congolais jouent. Voilà. C'est la France, c'est l'Angleterre. Voilà. Quelques joueurs en Belgique, les joueurs de la Belgique sont venus. Il n'y a aucun joueur jouant au championnat français, aucun joueur du championnat anglais n'est venu. Vous voyez le problème? C'est sa Chancel Mbemba est venu parce que lui, il joue au Portugal. Donc, nous, ici en République démocratique du Congo, on n'a pas eu le moyen de faire venir nos joueurs avec nos propres moyens. C'est ça la difficulté. Avec 4 joueurs venant de l'Europe et 4 joueurs venant du Maghreb,
À cela, on ajoute seulement les joueurs locaux. Locaux, alors que le Gabon avait son effectif au complet. Il y avait les Bouanga, les Denis Bouanga, les Aubameyang, tous se sont venus pour jouer ce match et c'était prévisible que nous puissions perdre. Moi, je dirais plutôt que le score de 3-0, c'est un score raisonnable. Raisonnable. Oui, c'est un score raisonnable parce qu'on aurait dû encaisser plus de 5 buts avec ce Gabon-là et cette République démocratique du Congo amoindrie. Donc, la première cause, selon Joël Diawa, et que le gouvernement congolais n'a pas mis en place l'avion spécial pour aller chercher les professionnels au niveau de l'espace européen. C'est ça, c'est ça la première cause. La première cause et la deuxième cause aussi, on peut dire, les léopards ont effectué les déplacements du Gabon un peu en retard. Un peu en retard, c'est toujours question d'organisation. Et le vol qui devait amener les joueurs là-bas, à Franceville, au Gabon, il y a eu d'abord un petit problème au préalable. Le problème, c'était quoi? L'avion n'a pas été autorisé à voler parce qu'il y avait certains problèmes aussi techniques ou administratifs, je ne sais pas. L'avion n'a pas su voler à temps pour amener les joueurs 2 jours avant la rencontre. Et la météo aussi a posé problème, hein? Le jour où l'avion a eu l'autorisation de voler, il y a eu pluie à Kinshasa. Les joueurs n'ont pas voyagé à temps. Ils ont quitté Kinshasa le soir. Ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner sur la pelouse de ce stade de Franceville. Et ce sont les effets collatéraux, comme on dit. Donc, il n'y a pas eu conférence de presse, il n'y a pas eu connaissance du terrain, il y en a pas ainsi eu, de suite. Malheureusement. L'impréparation aussi. Hein? L'impréparation a commencé depuis longtemps. L'impréparation n'a pas... Tout cela, c'est l'impréparation. Quand les autres rapatrient leurs joueurs avec un vol affrété et vous ne le faites pas, c'est de l'impréparation. On parle de l'impréparation en termes de G. En termes... Sur le plan technique, oui. Je dirais... Les joueurs ont commencé déjà leur préparation ici à Kinshasa. Quitter Kinshasa pour Franceville, c'est pas plus d'une heure du temps. Pas plus d'une heure. Donc, je ne pense pas qu'un voyage de moins d'une heure aurait dû handicaper, aurait dû pénaliser la forme des joueurs. Non. Là, je ne pense pas. Donc, c'est juste l'impréparation sur le plan administratif qui a causé... ce que nous avons vécu. En tout cas, sur le plan technique, c'est peut-être le niveau de l'entraîneur, je peux dire. Voilà, mais... nous allons faire la répartition mais c'est pas... de toutes ces causes. Alors, parlons d'abord l'organe technique du gouvernement sur le plan football en République démocratique du Congo. C'est la FECOFA, la Fédération oui. Congolaise de Football Association, patronnée par notre compatriote Constant Omari. Alors, est-ce aujourd'hui, la FECOFA n'est plus à la hauteur de gérer le football congolais? Parce que depuis que ce comité est là, le football congolais ne marche pas bien. Non, on ne peut pas dire que c'est depuis que le football, ce comité-là est sur terrain. Donc, parlons du comité Constant Omari. En 2009, les Léopards ont gagné le CHAN. C'était avec le comité Constant Omari. En 2015, les Léopards sont arrivés en demi-finale, ils sont sortis 3e de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015. C'était avec Constant Omari. Tout puissant Mazembe a gagné les compétitions interclubs. C'était avec le comité Constant Omari. On ne peut pas dire que... SV Club aussi a joué la finale en 2014. Avec Constant Omari. En 2014 et en 2018 avec Constant Omari. On ne peut pas dire que le comité Constant, depuis que le comité Constant Omari est là, non. Le problème du football congolais... C'est juste question d'organisation. On comprend que... Qui doit maintenant organiser ce football congolais? N'est-ce pas l'organe technique qui est la FECOFA? L'organe technique, bien évidemment, c'est l'organe technique qui amène le projet. C'est l'organe technique qui donne le feeling. Mais c'est le gouvernement qui met les moyens. Ce n'est pas la FECOFA qui donne les moyens. Quand la FECOFA n'a pas les moyens du gouvernement, la FECOFA va organiser les choses comment? Mais le gouvernement... déjà à la fin de l'année, prenons le mois de décembre, il y a déjà un budget pour l'année prochaine. Et le ministère des Sports aussi a son budget qu'il met à la disposition de la FECOFA. Peut-être l'utilisation pose problème au niveau de la FECOFA.
L'utilisation, on peut aussi parler du détournement, l'argent qui l'utilisation peut poser problème. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que la FECOFA perçoit cet argent qui sera prétendument détourné? C'est ça la question. Est-ce que la FECOFA perçoit cet argent? Point d'interrogation. Vous et moi, nous ne savons pas. Si la FECOFA perçoit cet argent, là, on peut parler du détournement, on doit pointer du doigt la FECOFA. Si la FECOFA ne perçoit pas cet argent comme il se doit, là, il faut retourner vers le gouvernement représenté par le ministre du Sport. Voilà. Et on a suivi dans les années passées ici, le ministre du Sport écrit au ministère de Finances pour respecter la chaîne des dépenses, le ministère de Finances bloque. Tantôt, c'est le ministère du Budget qui bloque. L'argent ne sort pas, c'est ça, ce sont aussi les difficultés que notre football rencontre. Je vais vous donner quelques exemples. On vous écoute. On vous dit aujourd'hui que pour organiser les consultations, par exemple, on débloque, je donne l'exemple, 1 million de dollars américains. Et les consultations du chef de l'État. Oui, on débourse 1 million de dollars américains. Mais pour les déplacements d'une équipe nationale d'âge de 21 ans, les U21 devaient aller jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais il ne faut pas oublier aussi les pays fonctionnent en termes de priorité. La politique. Mais qui prime, vous dit que l'Union sacrée, qui vous dit que les consultations étaient prioritaires par rapport au football? Non, pour la bonne marche du pays. Mais est-ce qu'on a vu les consultations? On est parti aux consultations. Est-ce que les pays marchent bien? Continue avec les sports. Le pays ne marchait pas bien. Continue avec les sports. Voilà. J'étais en train de dire que la question de la fédération, de l'équipe nationale, c'est juste question de l'organisation au niveau non seulement de la FECOFA, mais aussi du gouvernement. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que il n'y a pas une certaine organisation au sein de l'équipe nationale. En principe, on devait avoir une certaine hiérarchisation. Les équipes d'âge. Les équipes d'âge, on commence avec le U17, on est avec les U19, les U20, les U21, les U23, et puis cette équipe-là sera renversée à l'équipe nationale senior. Mais malheureusement aujourd'hui, où est l'équipe nationale U17? Voilà, d'accord. Où est l'équipe? Où est l'équipe nationale U19, U20, U21, U23? Il n'y en a pas. Voilà. Parlons maintenant du sélectionneur national. La République démocratique du Congo est parmi les 5 nations africaines du football. Si on commence à compter, on n'arrivera pas à 6 et directement, il y aura aussi le nom de la République démocratique du Congo. Mais nous manquons aujourd'hui les sélectionneurs nationaux titulaires. Sengui Biembe est là comme intérimaire. Il n'y a pas encore un sélectionneur national qui a signé les contrats avec le gouvernement congolais. Comment expliquer cette série et comment expliquer ces feuilletons? Est-ce que je... Certainement, je ne vous pose pas la question, mais je me pose la question moi-même. Est-ce que pour qu'un entraîneur ou un sélectionneur fasse des bons résultats, il doit nécessairement avoir un contrat? Bien. Bon. Non, pas du tout. Si tu as accepté de travailler dans ces conditions-là, tu dois nous prouver de quoi tu es capable. Et Christian Sengui Biembe ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau de coacher la sélection première. Comment ça? Mais il a d'abord, il a un diplôme IFA qualifié. Un diplôme supérieur même au diplôme que possède Florent Ibenge aujourd'hui. Pas du tout. Florent Ibenge également a un diplôme UEFA. Diplôme A, une licence A de l'UEFA. Donc, ils ont le même diplôme, les deux. Mais le diplôme ne joue pas. Ce qui joue, c'est la réalité sur terrain. C'est que vous prouvez. Venez nous faire voir que votre diplôme que vous avez, c'est vraiment un diplôme licence A UEFA. Mais c'est que Christian, moi je le dis souvent, Christian Sengui Biembe est forgé pour les équipes d'âge. On a vu avec les Léopards U23 ce que Christian Sengui Biembe nous a présenté. Mais on voit ce qu'il est en train de nous présenter avec la sélection senior. Donc,
Christian Senghibiembe n'a pas certainement le niveau de coacher une équipe nationale senior. C'est ça la difficulté que nous avons. On a vu Florent Ibenge, là où il nous a amené. Il nous a amené jusque là où il est arrivé au soir de sa carrière en sélection nationale. Il devait partir, il est parti. Mais Christian Senghibiembe qui est arrivé, on a vu ce qu'il nous a présenté depuis qu'il est arrivé. Une seule victoire. Une seule victoire contre l'Angola. Voilà, je vais présenter... Une seule victoire. Je vais présenter presque tous les résultats de Christian Senghibiembe depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Christian Senghibiembe a joué 9 matchs avec la sélection A de la République démocratique du Congo. Une victoire avec l'Angola, c'était 1-0. 5 matchs nuls. 3 défaites et 6 buts marqués et 13 buts encaissés. Nous allons maintenant vous donner les résultats. 1 but partout, Algérie, République démocratique du Congo. RDC Côte d'Ivoire, c'était 1 contre 3 en faveur de la Côte d'Ivoire. Et RDC Gabon, la première rencontre, c'était 0 buts partout ici au Stade des Martyrs. Et... Gambie RDC, c'était 2 buts partout. Burkina Faso RDC, 3-0 en faveur de Burkina Faso. Maroc RDC, c'était 1 but partout avec le but de Wilfried. Et RDC Angola, c'était 0 buts partout en aller ici en Kinshasa. Et RDC Angola, RDC 1-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Hier, c'était le Gabon contre la RDC. 3-0 en faveur de l'équipe gabonaise. On est en train de dire, c'est aussi la mauvaise organisation au niveau local de notre championnat qui est en train de faire en sorte que l'équipe nationale ne puisse pas bien marcher. La mauvaise forme du championnat national, ça peut être aussi... Et l'organisation aussi, ça peut être trop des reports de matchs. Bien sûr, s'il y a les reports, des reports en reports, c'est justement parce que les clubs le veulent. S'il y a beaucoup plus de reports, des matchs, vous verrez que c'est V-Club et Mazembe. C'est V-Club et Mazembe, les autres. Parce que le comité de la Ligue nationale de football n'arrive même pas aussi à jeter un coup d'œil par rapport au calendrier de la CAF, parce qu'il y a aussi des matchs de la Ligue des Champions, il y a aussi les matchs de la CAF. La Linafoot ne tient même pas compte du calendrier de la CAF. Ça, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis que la Linafoot est Linafoot, depuis que la Linafoot met en place son calendrier, la Linafoot ne tient souvent pas compte des dates FIFA et des dates de la CAF. C'est ça la difficulté. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir la forme de nos équipes, de nos clubs qui représentent la République démocratique du Congo au niveau africain. V-Club et Mazembe. V-Club c'est déjà presque éliminé avec 4 points, ou 4 points certainement, dans son groupe. Le tout-puissant Mazembe, c'est avec 2 points. On est en train de voir ce que ces deux équipes-là nous produisent en termes de résultats sur le plan continental. À l'époque, en 2009, la RDC a gagné le CHAN. C'était avec une ossature composée en majorité des joueurs de V-Club, des Mazembe et V-Club. Mazembe avait gagné la Ligue des Champions à cette année-là. En 2016, Mazembe a gagné la Ligue des Champions en 2015. Et c'est presque la même équipe qui a gagné la Ligue des Champions en 2015, qui est allée gagner... Le championnat d'Afrique des Nations au Rwanda en 2016. Vous voyez que quand les équipes de la RDC sont en forme, elles donnent aussi... Ça influence aussi au niveau de elles donnent les joueurs de qualité en équipe nationale. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, quel est ce joueur de qualité que nous avons au championnat national? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À l'époque, on avait les Trésor Poutou, les Lofo Bongeli, les Bedi Benza. Il y en a pas. Le Djuma Chabani, les Redi Doulengue. Nous avons le Miché Mika. Nous avons aussi Ce sont les joueurs du niveau, du niveau moyen. Ce sont les joueurs du niveau moyen. Ils sont différents avec le Koutouma et Trésor Poutou. À l'époque où il y avait les Trésor Poutou, les Lofo Bongeli. On a vu ce qu'ils nous ont présenté. On a vu.
n'y a pas match. Certainement, il n'y a pas match. Aujourd'hui, si l'équipe nationale, tantôt, la sélection locale apporte beaucoup à la sélection senior, à la sélection A. Mais malheureusement, on a vu aujourd'hui qu'on a eu que 8 joueurs professionnels qui sont arrivés. La sélection locale aurait dû renforcer cette équipe. Mais malheureusement, on a vu les joueurs qu'on a, les joueurs de la sélection locale, ce qu'ils ont produit là-bas, c'est malheureux. Je vais le dire, à la fin dernière, le chef de l'État était présent au niveau du Stade Martyr lors du match RDC-Angola. À la mi-temps, le chef de l'État est descendu au niveau du vestiaire pour dire au coach Christian Singibiembe, vous avez de bons joueurs. Mais l'utilisation de ces joueurs pose problème au niveau du staff technique. Est-ce que vous partagez cette idée avec le chef de l'État, avec le chef de l'État? Je ne sais pas. Et Christian Singibiembe manque cette intelligence pour utiliser ses pions. Bon, je ne sais pas. Je sais que le président de la République, comme nous l'a dit le vieux Kaboulo, c'est un ancien gardien de but. Il est aussi amoureux du football. Il est amoureux du football, bien évidemment. Comme l'a dit le vieux, toi peut-être tu n'as pas jouer au football, mais le président de la République aurait été gardien des buts, en croire le vieux Kaboulo Mwana Kaboulo. Donc il peut aussi émettre son point de vue en tant qu'analyste, mais c'est pas un joueur du football, le président de la République. Non, j'ai juste posé la question. Oui, de savoir, oui, est-ce j'y arrive. Arrive quand même à utiliser. J'y arrive. Le président de la République, certes, c'est un amoureux du football. Mais le président de la République ne peut pas dire que nous avons des bons joueurs, mais c'est l'utilisation qui pose problème. Quel est ce bon joueur que la RDC a qui est meilleur que Aubameyang? Quel est ce meilleur joueur, ce bon joueur que la RDC a? Arsenal est 20e au championnat anglais. Et quel est ce joueur de la RDC? Il est 12e au championnat anglais. Quel est ce joueur de la RDC qui joue? Mais Beijing au niveau s'il vous plaît, s'il vous plaît. 10e du championnat. Quel est ce joueur de la RDC qui joue même au club qui est dernier du championnat d'Angleterre? Il n'y en a pas. Chancel Mbemba est au niveau du Porto. Il joue aussi, il est au quart de finale de la Ligue des Champions. Quart de finale. Il est à féliciter. On connaît les conditions dans lesquelles Porto est qualifié. Bien sûr, je ne remets pas en cause le niveau de Chancel Mbemba. Parce que si on prend l'équipe comme l'Arsenal... on prend aussi l'équipe comme Porto. Porto est au meilleur niveau. Même pas. Que Arsenal, depuis sa création, n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Bien évidemment. N'a pas encore gagné la Ligue des Champions. S'il vous plaît. Mais Porto s'il vous plaît. S'il a déjà deux Ligues des Champions. S'il vous plaît. Oui, continuez. Marseille a gagné une Ligue des Champions. Ça, c'est une parenthèse. Nous sommes dans une parenthèse. Marseille a gagné la Ligue des Champions. Vous me direz que Marseille est meilleur que Manchester City qui n'a pas gagné de Ligue des Champions. Là, vous me posez la question. Il n'y a pas match. Vous me posez la question. Il n'y a pas match. Ce sont juste les circonstances qui ont fait en sorte que Arsenal ne puisse pas gagner une Ligue des Champions, que Manchester City ne puisse pas gagner. On venait là de parler en termes de classement UEFA. Mais Porto est devant Arsenal. Si vous prenez le classement UEFA, ne se fait pas en termes des équipes qualifiées pour le quart de finale Ligue des Champions. Je dis ceci. UEFA, l'année dernière, avait fait son classement par rapport aux meilleurs clubs européens. Je vais vous dire comment se fait le classement. Vous avez la parole. Le classement se fait selon le quota de chaque pays. Selon le quota de chaque pays, on prend les meilleurs clubs de chaque pays. Alors, à l'époque, Porto était meilleur de son pays. Même aujourd'hui, Porto n'est pas premier de son championnat, pour votre information. Porto est deuxième. Donc, c'est pour dire que, même aujourd'hui là, bien que qualifié, si vous mettez Porto en face d'Arsenal, certainement, croyez-moi que Porto va perdre le match. Revenons à notre... L'utilisation des joueurs. Christian Singibiembe n'arrive pas à utiliser ses joueurs. D'abord, on n'a pas de bons joueurs. Et quand on avait des bons joueurs, Christian Singibiembe ne savait pas les utiliser. Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas mis en place un système de jeu qui pouvait...
passionner les footballeurs, les supporters qui pouvaient mettre d'accord tout le monde. Il est en train de tâtonner ça et là jusqu'à présent, puisqu'il va partir, hein, puisque moi je suis convaincu qu'il va partir. Vous êtes président depuis qu'il est arrivé, jusqu'à ce qu'il va partir, il n'a jamais mis en place un système de jeu qui peut convaincre les Congolais. Donc, de ce côté-là, le chef de l'État a raison de dire que Christian Senghibembi n'arrive pas à mettre en place un système de jeu. Mais dire que nous avons des bons joueurs, moi je ne pense pas aujourd'hui. En 2015, nous avions des bons joueurs. En 2017, nous avions des bons joueurs. Mais aujourd'hui, la plupart de ces joueurs-là sont en train d'aller au soir de leur carrière. Il y a des joueurs comme les Bolassier qui n'est plus au top. Comme c'était en 2015, il y a des Mbokani qui ne sont plus en forme. Il y a Bakambu qui a quitté l'Espagne pour aller chercher de l'argent en Chine. Donc, il ne joue plus au football. Il est allé là-bas pour chercher de l'argent. Ah bon? Vous comprenez que la majorité, les Kebano, les Mpoku, voilà. Vous comprenez que tous ces joueurs-là qui étaient l'espoir... Nous allons revenir à ces dossiers. On ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement en place. C'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais quand... Voilà. Petite anecdote, à l'époque, tout se faisait sous l'impulsion du chef de l'État. Léopard a gagné coupe sous l'impulsion du chef de l'État. Chan 2009, Chan 2016, voilà. Tout était sous l'impulsion du chef de l'État. Alors, moi, j'ai senti... ce comportement-là avec le régime actuel. Il y a aussi le boxeur Makabu. Makabu, Ilunga Makabu a gagné sous l'impulsion du chef de l'État, voilà. Fatshi. Voilà. Alors, ce qui peut Léopard Apoli, Tolobape Keza, sous l'impulsion du chef de l'État, ils sont sous l'impulsion du chef de l'État. On doit le reconnaître. Puisque le chef de l'État a côté en terrain, le chef de l'État n'est pas gardien, le chef de l'État n'est pas défenseur, n'est pas milieu du terrain, n'est pas aussi attaquant, n'est pas aussi entraîneur. Mais à l'époque, pourquoi? Pourquoi tant Moukanani, Ilunga Makabu a gagné Tobaki sous l'impulsion du chef de l'État? Parenthèse, Namona Ibilomo na ba réseaux sociaux, Bakomi, Gabon, 3, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, Gabon, 3, Gabon, 3, Union Sacrée, 0. Donc, Union Sacrée comme équipe à football. Union Sacrée, Nebeta Kina Gabon, Union Sacrée à Polaki 3. Pour exemple, Batumsous, c'est Pelé, Bissotoyo Kapasi. Mais on a battu Moussous, c'est puis on a défaite à Léopard. C'est ça aussi le mal des Congolais. Alors que le football... Comme si football, comme si c'est la politique. Alors que le football devait nous unir. Malgré tout ça, la divergence politique, Nabiso, il y a eu des UDPS, il y a eu des CD à Fayoulou, il y a eu des Kabila FCC, il y a PPRD. Mais si tu écoutes un stade, ça fait du bien, mais tant que nous avons une divergence politique, nous avons un mango dans le football, en tout cas, c'est désolant. Nous ferons aussi des émissions à Nakatele, où il y a civisme, il y a changement de mentalité, tous les patriotes, tous les bakolingambo kanabiso, c'est très important. Surtout si nous sommes dans les championnats nationaux, le club Mazembezo Beta, mais si c'est l'équipe nationale, ozala muta lopopo, ozala muta ya sangabalendia chikunku, soutenons l'équipe nationale, de soutenir l'équipe nationale, et zate koza muta lamuka olingi, équipe nationale a gagné parce que l'honneur qui n'est pas bande konabiso ya IDP, ce n'est pas important, soutenons l'équipe nationale, totika la kaka, ba patriote. Aujourd'hui, Joël Diawa, la RDC, quasiment éliminée à Rosala présente en 2022 au niveau il y a Cameroun parce que c'est déjà totalement qualifié. Bande Konabiso, il y a Gabon, Bande Konabiso, il y a Gambie aussi. On nous dit aussi l'Égypte est déjà qualifiée. Est-ce aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour Naba éliminateur Ezoya, pour Naba compétition Ezoya? RDC, Léopard Nabiso, il faut organiser un monde, il faut préparer un monde. Il faut que nous clôt le roi Azonga. Il faut aller encore chercher Florent Ibengue de rentrer ou bien encore recourir à la magie des... Santos Mutubile. Il faut encore recourir lui, il a déjà vieilli. Le vieux Totika, vieux Jalma, Santos, vieux Jalma, Ape Makotaza, Namona qui vieux jour, Wana. Totika, vieux. Via Koli, Totika, via Fanda. Ce qu'il faut faire, c'est de repenser le football congolais.
faut qu'on repense le football congolais dans la mesure où il faut que Lukana nous quoi sénir Fekofa. Ce qui quoi des nouvelles élections. Bon, la Fekofa pour nous aller comme mandat. Faut ce qui mandat à constat Omar et Sili. Mandat bien aussi la calamité de Boyé. Bien évidemment. Bien évidemment. Kuna, en tout cas, Kuna, ils allaient faire un mandat, ils allaient rater. Oh, bah, délimiter nombre de fois aux élus, ils allaient rater. Au cause d'Alana pendant 100 ans, aux a toujours président Fekofa. Ce qu'il faut faire, il faut repenser le football congolais, te préparer à venir. Tout le monde, il va jouer au Tondo, tu es la Moutema. Bah, Bolassier, bah, Kebano, bah, Kambou, bah, Kei déjà. Bah, comme Mikolo. Balo bande ko beta na 2015 eza li susté. Alors relève eza wapi? Relève eza te. Ba joueur nini o biso to kai kolobake a soki na France eza kitan ba Zidane bazo kende. To moni ba Benzema déjà génération 87 bande o benga bango ba Benzema, ba Nasri, ba Menez, ba Zalaki déjà préparé pour na kozwa relève. Il y a qui va Ribéry pe bazaki déjà pour nous avoir relève il y a équipe nationale. Nous sommes en direct. Bijou Maïkan, nous sommes en direct. Merci beaucoup de nous suivre depuis quelque part. Merci voilà. Bijou Maïkan. Merci beaucoup. Spéciale à vous. Merci beaucoup Bijou Maïkan de là où tu es salutations. Donc dans le Koloba équipe nationale, il y a baninge za la kaba préparer relève. Les lo ba Griezmann bazoko la déjà tout monde Mbappé bazoya, ba Dembélé bazoya. Baninga bazala même na ba Sénégal ba Maroc ba Égypte c'est comme ça biso malheureusement toza to yebi ko organiser football na biso te ce qu'il faut faire il faut préparer l'avenir il faut préparer la jeunesse mettre aussi du sérieux au mettre du sérieux championnat. Au niveau du championnat pour que ba pesa biso pe ba élément ya malamu depuis que ba Poutou ba Kenda bah Mumbai les Bayaki Koya et consorts mais et une question aussi il faut aussi nommer un bon manager au avant de rekinder konuka biso bah joueur a bien konuka bah joueur wana c'est pas mauvais mais comme il faut que quoi bah discours ni ni comme meilleur bah joueur wana en place pendant que bah joueur wana au niveau de l'Allemagne il faut les amener un projet Belgique France il faut les amener un projet au moni Presnel Kimpembe Zala qui en a Paris Saint Germain d'autres les monter ma France à juillet Tomona qui Steven Zonzi azala kiawa France azuye toza petit moko sous sozo beta na Manchester United wana beta Wan Bissaka c'est le bon joueur aza titulaire na L wana droite na LT na aza latéral droite na équipe nationale na Manchester United c'est le moment déjà au coquer le cas joueur on a Christopher Kunku et les autres bazar ba joueur au bazar on convoqué na équipe nationale au baza ko ina ba payo bazo betate c'est le moment au lieu que to zwa bango to organiser to pesa bango projet sportif moko ya bien malheureusement to zui to zo kipe bango te c'est déjà le moment to présenter un projet sportif na bande ko na nyoso na ba joueur wana ba jeune joueur nyoso ba jeune talent au bazo émerger na niveau Europe to meme la bango un bon projet sportif pour que et convaincre bango toyana bango va préparer à venir merci merci Joël Diawa il faut que le gouvernement Samuel Lukonde ko yakala mingite avec le nouveau ministre des sports amekempe ko yana mu PPP politique ya malamu pour essayer d'organiser le sport congolais apprenant le football, basketball, volley, ainsi de suite. Parce que ce que nous remarquons aujourd'hui, le sport congolais et Kiti, effectivement, Makasi, cela ne fait pas du bien, surtout dans le Congolais. Vous imaginez tout ça pour le monde à Gambie, Gambia, l'équipe, RDS, l'équité. Tout ça pour le monde à Gabon, c'est normal. L'équipe de l'équité. Inconcevable. Ça fait vraiment du mal. Il faut que l'autorité en Mbokaba et Pepe pense à Yango. Nous allons directement passer à notre deuxième sujet de ces LNL Actu. Nous allons maintenant parler du gouvernement Sama Lukonde. Nous connaissons tous les chefs de l'État à la fin de l'année passée. Bengaki consultation a consulté la politique congolais Nyonso et aussi la société civile. Couche Nyonso, la société qui consulté par les chefs de l'État. Et chef de l'État a eu qu'aux décisions, il y a qu'à rompre
na libala oyo bandaye ko sangisa bango FCC cash afongoli sikoyo maboko pona bato nyonso a créer union sacrée. Union sacrée zala ki créé depuis l'année passée, et après la création de l'union sacrée, le chef de l'État a nommé un informateur pour aller identifier la nouvelle majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. C'était Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo a fait son travail et à la fin a mêlé le chef de l'État une nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et le chef de l'État a nommé depuis le 15 février de cette année 2021, le formateur du gouvernement, le Premier ministre Samalou Kondé. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, plus ou moins déjà un mois et demi, Samalou Kondé n'arrive pas à former son gouvernement, n'arrive pas à publier son gouvernement. Et Samalou Kondé, déjà, Azali Kozouama, na charge à trésor public. Lelo Samalou Kondé, aza logé na hôtel Fleuve Congo Hôtel, à Kinshasa, na commune ya Gombe. Na Fleuve Congo Hôtel, déjà, journée manko kolegisa na Fleuve Congo Hôtel, ezali ko koute na trésor public 850 000 dollars. Parce que Samalou Kondé, aza yemo kondi, 8500 dollars. 8500 dollars, excusez-moi, j'allais dire 8500 dollars. Oh, Samalou Kondé, ensemble avec son équipe, ali ko koute na trésor public 8500 dollars par jour. Comptez maintenant un mois et demi depuis Samalou Kondé a logé au niveau il y a hôtel du gouvernement, et ça lui coûtait combien dans le trésor public. Pourquoi cela? Nous allons parler avec Joël Diawa, a toujours le mot Abissou. Joël Diawa, déjà depuis le 15 février, Samalou Kondé a été nommé par ordonnance présidentielle. Il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme Premier ministre, mais gouvernement Zobimaté. Déjà, l'État congolais est commis à Samalou Kondé, Nande Konabiso, Ilunga Lunkamba, Baliko Futabango, Baliko bénéficier d'un avantage et belé, et Aliko Boukakes à l'État. D'entrée de jeu, déjà, comment est-ce que le bandé n'est pas dans le gouvernement de Samalou Kondé et Aliko retardé pour Bima? Bon, gouvernement Samalou Kondé, Aliko retardé pour Bima, c'est parce que c'est l'union sacrée qui bloque. L'union sacrée, bloque l'union sacrée. Parce qu'avant, c'était le FCC qui bloquait. Oui. Et aujourd'hui, avant, c'était le FCC qui bloquait le président de la République. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée du président de la République qui bloque le président de la République. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là qui sont venus dans l'union sacrée, il a eu ce discours. Mais non, nous sommes venus pas pour le partage du gâteau. Nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État. Nous sommes là pour finir la misère du peuple congolais. Nous sommes là pour corriger ce que le FCC avait fait. Arrivé sur place, nous sommes en train de voir que tout le monde a brandi son cahier de charge. Moi, ça ou rien. Moi, ça ou rien. C'est ce qui est en train de bloquer jusqu'à présent. Batu o bazana na union sacrée ba yela ki na bango ba poste. Certainement la politique c'est l'art de gérer la cité. Ba kokaya ko ya pe wana te ba kangi maboko ba otala mukonza mboka ndenga zo gérer na IDPS mangu ba vandika to ye na union sacrée to kangi maboko to otala to ye ko sunga mukonza mboka na batu ya IDPS. Non, ba équipe pe na oluka ba poste. Alors si ko komi na heure à partage de poste, bazo koka ko départager bangote. Bazo koka, l'union sacrée, c'est un fourre-tout. Il y a des kabilistes, il y a des katumbistes, il y a des bembistes, il y a des caméristes, il y a des tshisekedistes, il y a des fascistes, il y a tout le monde. Il y a tout le monde dans l'union sacrée. Alors, bato wana nyonso baye wana baye po na vision mon côté. Mutu na mutu aye po na koluka ba intérêt na ye. Yangonde ezo bloqué union sacrée jusqu'à présent. Tomonaki Batouana. Qu'est-ce que Jean-Marc au départ déjà, le chef du gouvernement, Samalou Kondé, a signé 3 noms par regroupement politique. Ce qui vous a bandé à FDCA, vous avez 3 noms par rapport à un nombre de ministères, bah, Pessibino, bah, pour choisir Kombo Moromena. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'avant, on disait que c'est l'IDPS qui bloquait, mais déjà au début de cette semaine, l'IDPS est Tindaki, bah, Kombo Nango, et aussi bandé à INCP, bah, Tindaki. Maintenant, Ninezo continue à bloquer. Ninezo continue à bloquer, c'est parce que vérité zate. Moi, une politique, n'a vu le côté de la famille. Je ne sais pas si c'est la vérité. Je sais clairement que
makambuto sala kunezo simba tendenge tozo solola to soli non malam tende ba FC biso ana. Ça c'est de la politique, c'est de la communication politique pour na ko apaiser batu ndenge premier ministre tant akenda ko kuta na yasuka na chef de l'état lobaki il faut to sala net comparer dissocier to dissocier plutôt précipitation na nini msusa lobaki je ne sais pas précipitation na ah, ça va venir. Ouais. Précipitation t parce que bango baloba qui na biso que c'était l'urgence et la précipitation. L'urgence et la précipitation. Voilà, c'est urgent bien évidemment, c'est urgent mais c'est aussi c'est urgent. Alors biso na ndenge tozana et sengela qui na biso kozela gouvernement parce que l'espoir du peuple congolais ezala qui na gouvernement yona ya union sacrée. Gouvernement union sacrée ezoya pona aussi ça passe ya ba congolais. Gouvernement union sacrée ezoya pona couper sa solution na oyo FCC cash a coca voilà, couper ça. Voilà, je veux dire c'est bon. Maintenant parlons des chiffres. Le lobby Sam Lokonde a commis kozwa charge na commis ko peser na trésor public. Azali logé na hôtel du na hôtel du Fleuve. Il y a une équipe na ye ba ali ko coûter mbongo ebelé au niveau ya trésor public. Est-ce que vous pouvez peser sur les chiffres? Avant d'appeler ça chiffre rapidement, tant que vous négociez pour la union sacrée, tant que vous négociez, Jean-Marc Kabound a ebisaki Bandeko, et là pour moi, boya ko soutenir biso, te faire partir Kabila, en contrepartie, vous serez récompensé. Au moins, si Bandeko va s'accrocher, yangwana. Récompense na bango bawo zela o Jean-Marc Kabound la kai bango, tisiko ezo yate. Yangwana tozomo na tisiko yo. Bazo tepa tepa, gouvernement zo bimate. Par rapport à ba chiffre, outi koloba awa, que nous avons maintenant deux premiers ministres. Deux premiers ministres. Voilà. Le premier ministre est reconnu par l'Assemblée nationale et déchu par l'Assemblée nationale, Ilunkamba Sylvestre, Azo Zela, jusqu'à ce que remise et reprise au Salema pour que. Atika Kozala, définitivement Premier ministre. Mais jusqu'à présent, il est Premier ministre. Mais Jean-Michel Sama Lukonde, Oyo Aza, Premier ministre, Oyo Aza, nous investite. Toyo qui a coûté combien à la République? 8500 dollars américains par jour. Ou on a pour un logement. Toyo le bien, kaka logement. 8500 dollars américains pour naïe, na équipe naïe. Ce total est tant au nion soit sali depuis qu'il a été nommé le 15. Ce total calculé, ça nous fait 40-41 jours. Ça fait pratiquement 348 500 dollars américains. Pour un mois et pour un jour. Mois. Uniquement pour un logement. Uniquement pour un logement. Maintenant, nous avons. Ce qui est au bitos à carburant, ce qui est au bitos frais de fonctionnement, ce qui est au bitos à prime, ce qui est on peut aller jusqu'à. Bah, 2 millions. Bah, hein? Bah, 1, bah, 2, bah, 2 millions, peut-être. Alors, Joël Diawa, nous avons déjà un hôtel du gouvernement ici à Kinshasa, construit à l'époque du Premier ministre Matata Ponyo. Est-ce que Ndeko, Sam Aluko, Ndeboko, écologé un hôtel du gouvernement on a gratuitement t'es? Ce sont des dépenses inutiles. C'est ce que nous disons des dépenses. Il a une résidence ici à Kinshasa. Mais bon, lui, il ne peut, dès qu'il est Premier ministre, il ne pouvait pas encore résider dans la résidence privée. Naïe. Il devait être pris en charge par le gouvernement. Mais nous avons un hôtel du gouvernement. Bon, qu'est-ce qu'on a aménagé? Et si on a un hôtel du gouvernement, on a logé ça à Lukonde Sikawana pour que Ayamba Kabatunae Sikawana, en attendant, il y a un hôtel du gouvernement. Il y a Kitambo. Voilà, oui. La primature résidence, il y a Premier ministre, il y a Kitambo. Certainement, il fallait qu'il y ait ça, les mabongo. Mais tellement que, mbo kanabiso, toyo karamakele le namato, il faut un million et kota namato, il nabiso, pour toyo kabien. Nenge bazana, ba oka, ils en ont 300 et quelques millions, et ba 300 et quelques mille. Ils ont tout un an, ba mato, il nabangote. So ba koyoke comme ba million pour te calmer ba procès ton yoka a ba détourner mais ça ba million ba million ba million ba EPST ba million so ba ozela ba yoka e comme ba million zogi premier ministre a dépensé déjà ba 1 million de dollars américains en matoi na bango kiti ba bia. Alors Joël Diawa, il y a eu une confusion aussi au niveau de la responsabilité et au niveau de la représentation de la primature.
Cette semaine, Tomoni Bobse qui a Thomas Lokondo et Salami au niveau de l'Assemblée nationale, la salle la plénière Rwanda. Tomoni Babengi, Premier ministre, a déposé gerbe de fleurs naïe. Total à bouer, Premier ministre à Télémi. Il y avait deux premiers ministres dans la salle. Sama Lokonda Vandaki, Ilunkamba pas Vandaki. Protocole qui Bengi, Premier ministre a déposé gerbe de fleurs. Tomoni Sama Lokonda a déposé gerbe de fleurs. Est-ce que Wanez Alaki a dénigré la présence de Ilunkamba dans la salle ou quoi? Ou bien ça, Boloba, présentement, le chef du gouvernement, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, c'est déjà Sama Lokonda. Et ça, sabotage. Comment ça? Et ça, sabotage. On nous dit quoi? Le Premier ministre est l'émanation de la majorité parlementaire. Alors, le Premier ministre, ce Premier ministre-là, est investi par l'Assemblée nationale après avoir présenté son programme de gouvernance. Est-ce que Sama Lokonda a déjà présenté son programme de gouvernance à l'Assemblée nationale? Non. Jusqu'à présent, il n'est pas encore Premier ministre investi. Le Premier ministre investi par l'Assemblée nationale, c'est le vieux Ilunkamba. Qu'on appelle destitué par la même Assemblée nationale. Destitué, mais il n'est pas encore parti. Il n'est plus reconnu par l'Assemblée nationale. Non, non. Il n'est plus reconnu parce qu'il a été déjà destitué. Il a été destitué, mais qui est le Premier ministre? Il expédie les affaires courantes. Tant qu'il expédie les affaires courantes, il est le Premier ministre en fonction. Nous devons savoir respecter les textes. Sama Lokonda n'est pas encore Premier ministre en fonction. En principe, c'est lui, Ilunkamba, qui devait aller représenter l'État en tant que Premier ministre. Ce n'est pas Sama Lokonda, il n'est pas encore investi. J'ai vu aussi, il y a quelques jours, il y a des diplomates. Lui, Sama Lokonda est en train de recevoir les diplomates. Non, mais non. Le Premier ministre en fonction, c'est Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Tout doit tourner autour de lui. Tout doit se faire avec Sylvestre Ilunga Ilunkamba avec et son gouvernement. Sama Lokonda n'a pas encore de gouvernement. Sama Lokonda n'est pas encore investi. Mais dites-moi, comment est-ce que Sama Lokonda peut commencer à aller représenter la République démocratique du Congo dans des cérémonies officielles? Bandeko balan la biso pe na mata di belé, bandeko balan la biso na Lubumbashi, bandeko balan la biso na Kinshasa et belé. Tozobeta masolo aujourd'hui la RDC est bloquée. Pendant plus ou moins tout qu'il débat sixième mois au Conseil des ministres à la rallye sous terre. Le social des Congolais est vraiment na se makasi. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Banzela est bien saté après la pluie à Kinshasa pour faire des déplacements, ça pose problème. Toujours d'embouteillage, couvre-faisau continue, Covid continue toujours à frapper. Donc ça pose problème. Il faut si tout le monde a gouvernement OSE avec Sama Lokonda et puis ça a déjà ben tessel à bien qu'il y aura du changement. Mais de loin, tout le monde a comme s'il n'y aura pas de changement. Parce mais que le gouvernement, à côté du gouvernement, pas au moins, tu as préparé l'élection de 2023. Pour l'intérêt à peuple, tout le monde a changement de ni. Oyo ba lobaka na français, Félix Tshisekedi alingi a déshabillé Saint-Paul pour a habiller Saint-Pierre. C'est ça. Ozui bato bazaki na FCC, o ba échoué na Kabila. Oye na bango na Union Sacrée. Tu t'attends à quoi? Ils sont convertis, hein? Non. C'est ce que moi je disais. C'est ce que, s'il vous plaît. C'est ce que moi je disais. L'Union Sacrée risque de devenir un purgatoire pour ceux qui ont fait du mal avec Kabila. Vous pouvez me dire aujourd'hui, un type comme Trifon Kinkemouloum, il a travaillé avec Mobutu. Il a travaillé avec Kabila pendant longtemps. Vous croyez qu'avec Félix Tshisekedi, il va changer? Pressenti comme porte-parole du gouvernement. Un type comme... Les noms encore, c'est comment les noms échappent, ça va revenir. Bon, pour ne pas citer... Prenons le cas de Lambert Mende. Pour ne pas citer les noms de beaucoup de gens ici. Tous ces gens-là qui ont travaillé avec Tshisekedi, avec Kabila. Parce que du nombre de ceux qui ont travaillé avec Kabila pendant longtemps, Bahati Lukwebo fait partie. Bahati Lukwebo aujourd'hui, chanter comme l'exemple de tout le monde, chanter comme celui qui amène le changement. Vous croyez que Bahati Lukwebo s'est converti? Vous croyez que Bahati Lukwebo, quand il travaillait avec Kabila, quand il a échoué avec Kabila, il était aveuglé?
Non, il a bien travaillé dans les différents ministères. Bien évidemment, il a travaillé du ministère dans du plan, au niveau ministère de l'économie. Voilà. Au niveau aussi de l'Assemblée nationale, il était questeur. Il était questeur. Vous croyez que Bahati Lukwebo s'est converti en venant là-bas? Vous croyez que tous ces gens-là, les Lambert Mende qui sont venus, tous ces gens-là qui sont venus dans l'Union sacrée, ils sont venus pour aider Félix Tshisekedi à réussir? Bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais on connaît ceux qui ont travaillé. On connaît ceux qui ont échoué avec Kabila. Ceux qui étaient à l'avant-plan. Ceux qui étaient les pièces maîtresses du régime Kabila, qui ont échoué avec Kabila, qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée. Yo kantike batuana baoya. Pour baya kosunga. Félix Tshisekedi a réussi à mandat naï. Totika. Toyebi batutozana bango toyebani toza ba congolais bisonyo so toyebani. Voilà. Merci beaucoup na bande konyo so balandi biso. Merci beaucoup aussi pour vos messages. Tout le béli plus sur la défaite du République démocratique du Congo face aux Panthères Gabonais. Du Gabon. Le score final était de 3-0 en faveur de Gabonais. Tout le béli paye le retard de la publication de la sortie du gouvernement Samalou Kondé. On a aussi dit les dépenses au niveau du trésor public par rapport à il y a prise en charge, il y a Samalou Kondé Yemoko étant qu'individu, na équipe na Mobimba parce qu'il n'est pas encore investi au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes Léon Djoléo, c'était LNL Acti. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Merci à Joël Diawa, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Merci à Thierry Batondoko derrière les caméras. Merci beaucoup à Sabi Moulamba qui était au niveau de la machine à la régie. Merci beaucoup à Bijou Maïkani, elle était vraiment lui en train de nous suivre. Merci beaucoup aussi à notre boss, Papa Odom Moulamba. Nous vous saluons. Restez toujours branchés à nos programmes. C'est Léo Djoléo, LNL News. Merci, on vous retrouve. Balassima, merci. Bijou Abéinga Bosco.